Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartale et on s'était laissé en plein tombeau bien évidemment. Et on avait deux chemins à explorer, on va partir sur celui-là. Encore? On s'est déjà fait attaquer la dernière fois. Quel enfer! Bon. Là, il y a un mur. Ouais, mais que là. Non, on va plutôt prendre les deux là. Ok, on a ramené tout le monde. Là, il y a moyen de défendre assez facilement des archers. En mettant les Dna ici. Là, on va avoir Donovan, bien évidemment. Donovan, Eddie, tac. Et on peut mettre elle là-bas. Morgane, ça me fait un peu peur. Alors, tu vas plutôt rester vers Morgane en défense. Au réflexe. Ok, donc c'est dans le coin. Voilà. On a un autre qui arrive. On tue direct, on booste tout le monde. Ok, ce côté-là, on sait pas où ils sont. Je pense qu'elle va encore partir toute seule. Au pire, elle nous les trouvera. Ah non, elle a passé son tour. Donc là, elle sait vraiment pas où ils sont. A priori, ils sont plutôt de ce côté. Hein. Pour l'instant. Il doit y en avoir ailleurs, mais. Donc on va quand même revenir vers Morgane au cas où. Ça y est, ça arrive ici. Bah oui. Hein. Pourquoi je n'irais pas à l'arc? Parfait, ça arrive également de l'autre côté. Bon, mon déploiement était pas mal. On va garder la position défensive. Ah, dans les tombeaux, l'archer avec vigilance est exceptionnel. Ok, tout arrive ici, là. Même je peux pas abandonner mon poste. Morgane, pas le choix, hein, tu passes. Hein. J'ai bien fait de pas abandonner le poste. L'archer aurait pu prendre. Mais ça va. Ça va, tout est bon. Oula, oula, Willow qui en encaisse un peu trop là. Heureusement, il y a un nouveau tour. Elinor, si tu pouvais aller filer un coup de main. Peut-être plutôt là pour prendre la diagonale. Voilà, enlever le encercler. Absolument
sécurisé. Ok, ça arrive par ici. On va y aller avec Donovan. Voilà. Et ça arrive encore de ce côté. J'irai bien avec Morgane. Comme ça, elle a joué et je peux quand même la remettre en position. Oh, oula. Tu nous as trouvé des petites surprises, toi. Ouais, ça continue d'arriver là-bas. Bon, a priori, ça va plutôt bien arriver de ce côté. On a que le motivé, on n'a toujours pas le galvanisé. Oh non, 4 PV. Du coup, je gâche ma deuxième flèche pour lui. Ça arrive encore. Ok, ça tue. On va t'avancer un petit peu, Eddie. Si jamais tu te fais frapper, t'as la contre-attaque. Voilà, ici on va tuer. Parfait, on a la galvanisation. Il doit pas en rester tant que ça. J'ai bien prévu mon coup. Je me disais bien qu'il en restait encore un là-bas. Ici, je vais aller frapper celui-là. Il en reste, hein. Malheureusement, j'ai plus personne qui peut jouer là-bas. Ah, je me suis mal remis. L'archer a pu prendre. Désolé, Maeva. Je vais venir te libérer tout de suite. On va essayer. Voilà, tu es libre et le dernier est en bas. Ok, c'est fait. Nashara, courageux. Ah bon, on est à la tombe. On a trouvé ville. Oui, celui-là était pas... Ouh, le raté. Celui-là, enfin celle-là de tombe était pas exceptionnelle. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait à trouver dedans, mais... Mais je me souviens que, oui, elle était pas si longue que ça. On va essayer de crocheter. Oh non. On va lui défoncer. Je l'avais. Ouais. Et des fois, j'ai l'impression de réessayer exactement à l'endroit où j'étais juste avant et ça passe, alors que ça passait pas au début. Un peu comme quand on essaie de mettre une clé USB. La voie est libre. Ah bah jaune, c'est les cercles. Il n'y a que lui. Explorateur est mort. Tac, tac, tac.
Voilà. J'ai tous les livres. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. J'ai tout trouvé. Qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi j'ai compendium? Ah, parce que j'ai un point. On va pouvoir prendre ça. Allez, mon truc préféré. Dommage, hein, on y est presque. Voilà. Trouver bâtiment. Et on a dit le jaune, c'est le cercle. Le jaune, c'est le cercle. Et voilà, c'est full exploré. Et du coup, les compagnons, c'est toujours pas bon. C'est ici que nos routes se séparent, mercenaires. Merci de m'avoir aidé à chercher mes amis, même si j'aurais préféré les retrouver vivants. Je vous souhaite plus de succès que nous dans vos aventures. Puisse ce présent vous y aider. Ah bah non, c'est bon. Donc sa quête est débuggée. Ok, ça c'est fait. Donc il nous reste vraiment que la clé. Sauf que j'ai pas la clé. On va se poser. On va se poser parce qu'il va falloir bien évidemment étudier l'objet légendaire. Gestion des codex. Alors, c'est lesquels? C'est ceux-là. Au déchiffrage. Non, c'était pas ça. Ok, ça on peut pas. Ça on peut déchiffrer. Ah, c'était la restauration qu'il fallait faire. Oui, c'est ça. Alors, un de bon. Deux de bon. Un de bon. Donc celui-là était bon. Un de bon, donc c'est celui-là. Voilà. Ah, indice trouvé. Ah, y en a des indices. D'accord. Ouais, je connais pas hein, ce système, on l'avait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Un de bon. Toujours qu'un de bon. Toujours qu'un de bon. Donc celui-là est faux. Deux de bon. Un de bon. Donc celui-là est pas bon. Ces deux-là doivent être bons. C'est ça. Ok. Zéro de bon. On va au moins ça règle la question. Ok. Donc celui-là on peut pas, celui-là on peut pas, celui-là on peut pas. Il nous manque des mots encore. On avance, on avance. Tu as quoi toi comme machin là? Réduit de 1 le nombre de repos nécessaires. Ah oui, c'est bien. Bon, un peu d'expérience, de connaissance, c'est pas utile en fait. Y a pas quelqu'un qui n'a pas de ceinture? Non. Toi, t'as pas de sac à dos. On va t'équiper ça en attendant. Hein. Alors, on va pouvoir bien sûr vous rééquiper.
Hop. Donovan récupère ta petite hache et Morgane récupère tes poudres. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, ah, j'ai 4 points. Ah oui, parce que je déchiffre des livres. Ah oui, bon alors... On va prendre tout ça, là. Hein. J'arrive à un stade où les points vont juste rester en stock. Et ça, c'est les livres. Donc, il me reste 2 tombeaux. Ça, c'est sûr. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai raté, non? Il y en aurait 7 dans les 2 qui restent. Mon avis, j'ai raté des trucs. Il y a un moment où on va refaire des explorations. Hein. Bon, ça c'est fait. Alors dormir. J'essaie de faire le plus de chemin possible. Allez, dodo. Dodo, on va manger ça. Comme ça, là, on va bien durer. On va prendre un petit bonus de dex, on va prendre ça. On va prendre ça. Non, ça fait beaucoup trop. On va boire, on va manger ça. Et voilà. On a encore gagné un point. J'ai acheté celui-là en faisant le commerce. Ah, j'ai oublié d'acheter celui de Cortia. Malheureusement, il faut penser à le prendre en passant. On va pouvoir apprendre celui-là. Ah ça me donne une recette. D'accord. Oui, donc tu voulais quoi, Ledna? Et dire qu'on crevait de faim alors que ce tombeau regorgeait de richesses. Il faut qu'on en trouve d'autres. Oui, t'as raison. Requiert fragments d'objets précieux et on a directement le calice. Oui d'accord, tu étudies instantanément, bah vas-y. Écoute, tu me fais gagner du temps, bah, je vais pas dire non. Hein. On va activer un autre truc, qui va être ça, voilà. Alors là, normalement, la fatigue devrait très peu monter, ce qui va nous permettre de voyager. Parce qu'on n'a pas le choix que de voyager là. J'aurais dû mettre en plus amélioration de la durée de course. Ça me frustre un peu de partir de cette région alors qu'il nous manque un truc à faire, mais il faut une clé. Donc tant pis. On va vider le calice, oui, 75. Bon, les torches, celle-là, elle est déjà usitée. Voilà. Et c'est tout. Oui, parce qu'on n'a pas ramassé tant de trucs que ça. C'était quoi, ça? Gagne également un influence quand on gagne de l'expérience de métier. Ouais, c'est pas exceptionnel. Hein. Mais bon, on prend... Hop, on va partir. Et quitte à partir, le forgeron. Le forgeron. C'est ça? Restauration des Doran, voilà. Bien évidemment, on apprend ça. Tac. Il n'y a pas de restauration dans une des régions. Ça, c'est Luderne. Et il n'y en a pas dans l'autre région.
Donc, ça, on peut fermer. Ah, attendez. Avant de partir, bien évidemment. On emmène ça. Et on reprend la route. Donc là, direction Marheim. Vu que c'est ce qui fait le... Ah, la liaison avec toutes les régions. Et j'hésite... Ah tiens, et revoilà. Mais non, toujours pas cette fois. J'hésite. Je pense qu'ils apparaissent de temps en temps autour de moi, qu'ils essaient de me pourchasser. J'hésite. Soit attaquer Luderne. Et on clean Luderne. Soit aller faire un tour dans la région du Nord. Bon, j'ai encore oublié le nom. Gozenberg. Grimnir, voilà, le royaume de Gozenberg. Pour débloquer la rouste. Aller chercher ici les autres dragons. Vite fait, là, on slalom, on fait gauche-droite, hop, on prend les autres dragons, on prend la rouste et on s'en va. Comme ça, peut-être on peut aller valider Drombak. On peut vendre quoi, là? Des poteries, d'accord. Et comme ça, après, on peut aller dans Luderne. On prendra les derniers autres dragons au passage. Moi, ça me paraît bien, ça. Sinon, on se full clean Luderne. Ah, j'ai quand même envie d'aller débloquer la rouste. Pas que j'appréciais spécialement l'ajout de ce petit sport. Je trouvais que ça avait pas tant d'enjeux que ça, mais a priori, c'est peut-être ce qui nous manque dans la région, dans notre région. Donc à voir. Et là, si je dis pas de bêtises, il faut que je vende les épices. Voilà. Et je peux acheter tout ça. J'hésite à prendre un peu de cul. Je suis surchargé. Comment ça, je suis surchargé? Elle est bien bonne celle-là quand même. Comment j'ai pu me surcharger alors qu'avant de venir j'avais fait exprès de tout vider et que je faisais du commerce, donc en plus je trimballais des caisses, donc j'avais les carcasses. 36 carcasses. Voilà. Je me disais aussi il y avait un truc qui collait pas. J'avais bien fait en sorte de tout vider à Marheim. Bon, direction Marheim. C'était l'objectif. Prendre le raccourci à travers la forêt. Bon, les deux régions qui restent, c'est pas les meilleures. C'est, enfin, pour moi en tout cas, hein, c'est clairement pas celle que j'affectionne le plus. Alors j'avoue, Luderne, rien que d'y penser, ça fait pas rêver. Hein. Après si, parce qu'il y a des trucs à récupérer à Luderne. Donc ça va clairement être Luderne, la prochaine région, mais bon. Nous voilà à Marheim. On va faire quoi?
Qu'est-ce que... Oui, je trimballe les trucs. Voilà. Oui, j'ai réussi ma mission. Ça va, c'était pas trop compliqué. Alors, tu m'en mets d'autres? Non. Tu ne m'en mets pas d'autres. Mince, est-ce qu'on pouvait pas... Oui, voilà, ça fait un petit moment que je suis pas venu, donc je peux faire le champ. J'ai regardé, on a le bûcheron qui est pas au niveau max, je crois. Le barde, bien évidemment. Et il me semble qu'il y avait un autre, le voleur. Pas faute d'avoir essayé de crocheter tout ce que je croisais. Et où c'est qu'on a des chansons? Ah bah il est devenu maître. Donc là, maître, maître, maître. Compagnon seulement, oui, en bûcheron. Maître, 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 maître et compagnon en voleur. Bon, le voleur est quand même bien avancé. Le bûcheron, par contre, ça traîne. On va poser... Voilà, j'ai tout ramené ici. C'est un peu l'inventaire de la mort, ici. Qu'est-ce que je... Oui, là, ça. Hop, ça, j'en mets 3. Je garde à peu près 10 de chaque, comme ça, je me dis si jamais j'en ai besoin pour quelque chose. J'en ai. Ah oui, j'ai mes essences vierges. Je peux les poser, les essences vierges, j'en ai pas besoin sur moi. Voilà. Et je garde surtout la nourriture. Ce qui fait beaucoup de nourriture. On va pas se le cacher. Bon. Ça c'est fait. Mais voilà. Je suis mieux là. J'avais pas vu, j'ai encore un petit truc que je peux décharger, ça. Et on est bon. Ok. Donc prochaine région, Luderne. Mais je pense que je vais y réfléchir, mais je pense qu'on va peut-être aller se faire un épisode de déblocage de Roost. Voilà. Juste parce que ça va être en intense réflexion. Tac. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.